aux besoins des enfants qui sont les plus en difficulté. Donc, l'innovation symbolise la capacité du système scolaire à s'adapter, à se renouveler et à trouver en son sein les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins du moment. Les spécificités de territoire, évidemment, diffèrent selon qu'il s'agisse de territoire rural, périurbain, de banlieue, de zone dense. Ces spécificités territoriales déterminent pleinement l'environnement de l'enfant, son environnement familial, social, culturel. Et cet environnement influe sur le parcours de l'enfant à l'école. Un peu trop d'ailleurs, me semble-t-il, dans notre pays, où malheureusement les résultats scolaires sont très étroitement corrélés avec le niveau social de les familles considérées. Mais il est important de se dire, et c'est un peu la finalité de la mission qui m'a été confiée, il est important de se rendre compte de ce que l'environnement de l'enfant interagit avec son approche de l'école et avec son parcours de réussite scolaire. Donc, il s'inscrit pleinement dans ce territoire. Donc, l'émergence au niveau local des innovations rejoint ce qu'est la réussite éducative. Les actions de réussite éducative sont mises en œuvre à ce niveau. Elles permettent de répondre le mieux aux spécificités données et elles supposent la construction d'un partenariat entre tous les acteurs de l'école, personnel de l'éducation nationale, élus, associations, parents d'élèves. La réussite éducative se conçoit donc comme une politique transversale à la confluence de la politique de la ville, de la famille, de la jeunesse, de la culture, des collectivités territoriales et des associations. Et il n'est pas anodin de souligner que dans la loi sur la refondation de l'école, finalement, cette collaboration a été mise en exergue avec les pactes éducatifs territoriaux qui aujourd'hui finalement systématisent ce dont parlait M. Hoxiel, puisqu'ils appellent à ce qu'il y ait un travail concerté entre ces différents acteurs qui interviennent autour des enfants pour faciliter le réussite. C'est pour donner une cohérence nationale à ces actions et mettre en synergie tous ces acteurs qui, sur le terrain, travaillent à la réussite éducative des enfants, que j'organise le 15 mai prochain à la Sorbonne une journée nationale de la réussite éducative. Cette journée offre un temps de réflexion et de mise en avant des bonnes pratiques. Elle appelle à une conception renouvelée de l'école, car elle nous dit bien que nous devons réfléchir à tous les aspects, il n'y a pas de tabou en matière éducative, et il ne s'agit pas, bien entendu, transmettre des connaissances, c'est s'appuyer sur le passé pour des générations nouvelles, mais c'est aussi essayer de trouver des manières renouvelées de penser et de réussir ces transmissions de savoir. Et je crois qu'à cet égard, nous avons même un travail de vocabulaire à mener. Nous allons évidemment tout à l'heure visiter une plateforme qui se consacre au décrochage scolaire ou au raccrochage scolaire, mais je crois que là aussi, réfléchir au vocabulaire n'est pas anodin. Et je suis personnellement très intéressée par le vocabulaire anglo-saxon qui parle, lui, de persévérance scolaire. Parce qu'il me semble que c'est une manière plus positive d'inciter les jeunes à l'effort pour pouvoir continuer leurs apprentissages dans le cadre de l'école à laquelle ils sont déjà situés. Il me semble que c'est une vision différente de l'école et de ce que nous avons à faire pour pouvoir créer aussi ce qu'on a évoqué dans le cadre de la refondation, qui est la notion de bien-être à l'école, l'école bienveillante. Et je crois que dans ce cadre, la persévérance scolaire, c'est une notion qui est un peu différente, simplement que de prendre acte de ce qu'il y a du décrochage. C'est également pour abonder cette réflexion que j'installerai le 19 avril prochain le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, véritablement pour signaler l'importance considérable que nous attachons à l'innovation pour parvenir à cet objectif de réussite éducative pour un maximum d'enfants. Ce conseil, comme le disait François Jarreau, sera présidé par Didier Labironou, qui effectivement n'est pas spécialiste des sciences de l'éducation, mais qui est spécialiste plutôt de la sociologie et de la sociologie de
quartiers populaires. Et nous savons que ce sont les enfants qui ont grandi dans ces quartiers qui sont le plus en difficulté avec les codes de l'école. Et par conséquent, il me semble important que ce soit quelqu'un comme la Péronie qui ait un regard un peu extérieur et qui puisse évaluer en quoi nos innovations peuvent faciliter la réussite éducative de tous les enfants et notamment des enfants de ces quartiers en difficulté avec l'école. Donc ce conseil aura pour mission d'identifier les pratiques innovantes, de les repérer et de voir comment les étendre, ou en tout cas les faire connaître de tout le système éducatif, donc en quelque sorte de les évaluer. Je crois que ce ne s'agit pas du tout de venir en concurrence avec ce forum de l'innovation, mais il s'agit vraiment de reconnaître en quoi les pratiques nouvelles initiées par les équipes éducatives sur le terrain sont importantes dans le cadre de la refondation de l'école. Ce sera un lieu d'échange entre ses membres et justement, nous n'avons pas souhaité que ce conseil soit uniquement quelque chose d'interne à l'éducation nationale. Ses membres vont très largement associer des personnes qui travaillent pour la réussite éducative des enfants, mais qui ne sont pas forcément membres de l'éducation nationale. Donc des élus représentant les ministères de la ville, de la famille, des associations d'élus. Et il me semble que le débat entre ces différents partenaires de l'école est de nature à enrichir les pratiques pédagogiques et à nous permettre aussi d'améliorer les relations école-famille et la continuité des parcours, puisque comme l'a dit très justement le président, il y a une articulation à trouver entre l'enseignement général et technologique, l'enseignement professionnel, la formation professionnelle qui est aujourd'hui pilotée par les régions et même l'insertion professionnelle, puisque après tout, pour beaucoup de jeunes, la finalité ultime de tout cela, c'est de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans une activité qui leur convient. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous avez compris que l'enjeu de l'innovation à l'éducation nationale me tient particulièrement à cœur en tant que responsable de la réussite éducative. C'est par la mise en réseau, par la reconnaissance des énergies dispensées au sein de notre maison et avec les partenaires que se concrétisera la refondation de l'école que nous appelons de nos vœux. Donc je vous souhaite deux excellentes journées de travaux, constructives, riches. D'ailleurs, vu le temps, vous êtes beaucoup mieux à l'intérieur de cet établissement pour travailler. Et j'espère que dans vos ateliers, vous allez pouvoir diffuser et essaimer dans vos territoires auprès de vos collègues et autres écoles. Je crois savoir aussi que vous devez remettre le prix spécial de cette année qui récompensera le meilleur projet innovant favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je vois que nous devons continuer à prendre des initiatives innovantes. Et donc je tenais aussi, en venant vous saluer ce matin, à remercier les organisateurs et à vous remercier vous aussi pour ce travail de construction de nouveautés que vous mettez au service des enfants qui fréquentent nos établissements. Et je vous souhaite de bons travaux.